Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va regarder comment limiter la portée de certains curseurs. Euh, ça fait suite à une question qu'on m'a posée sur le groupe Facebook euh, Oui Oui Photo Lightroom Photoshop, c'est là où je fais le, le, le support des vidéos et je réponds à vos questions, hein. vous êtes déjà plus de, de 10 000 là-dessus. Et on m'a dit, voilà, j'ai une série de photos, de spectacles, et j'ai des zones qui sont surexposées sur certaines. Donc, en fin de compte, j'aimerais faire un paramètre de développement qui réduit cette surexposition. Mais j'aimerais, en gros, que ce paramètre de développement ne s'applique que s'il si y a des zones surexposées. Plus ou moins, c'était le, le besoin. Alors comment faire ça? Ben, en fait, on peut le faire en limitant la portée des réglages. Si on veut faire des réglages que sur des zones surexposées, ben, il suffit de repérer les zones surexposées et de faire les réglages que sur ces zones surexposées. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on travaille avec la, la photo de la belle Lucie là et on, disons qu'on veuille remonter les ombres, ici, d'accord Dans le dos et peut-être un peu les cheveux aussi pour avoir un peu plus de détails. Alors vous avez le curseur ombre qui est là pour ça, donc je suis en réglage général, curseur ombre et je vais monter les ombres. Mais si vous regardez l'histogramme ici, en montant les ombres, je vais pousser les hautes lumières sur la droite. Donc en fait je vais monter les ombres, oui, beaucoup, mais ça va aussi augmenter un peu les hautes lumières. Et c'est pas ça que je veux, moi je veux que ça agisse uniquement sur la partie ombre. Alors là je vais mettre 20, comme ça on verra la différence après. Une fois que j'aurai fait la manip sur l'autre photo. Donc, je prends l'autre photo, d'accord, qui elle n'a pas le curseur ombre remontée, et je vais dire sélectionnons les ombres et remontons les ombres, mais que sur les ombres. Comme ça, ça ne poussera pas les hautes lumières. Donc, pour ça, ben, vous faites un masque. Il y en a déjà sur cette photo, mais ce n'est pas grave. Je m'intéresse à la lumière, donc gamme de luminance, okay et je veux donc sélectionner uniquement les parties sombres. Ben, pour faire ça, vous allez simplement ici descendre et dire je veux m'occuper uniquement des parties sombres. Et puis ensuite ici, ce curseur-là vous permet de définir, je dirais, est-ce que vous allez avoir une transition franche ou est-ce que vous allez avoir une transition qui est un peu plus lâche Donc on va faire quelque chose comme ça. Et puis là, on va faire quelque chose qui va... Voilà, on va réduire un peu là. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, ça me paraît pas mal. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je dis, bah, applique le réglage que sur les zones sélectionnées. Et donc maintenant, si je vais jouer avec mon curseur ombre qui se trouve à l'intérieur du masque, regardez bien la partie haute lumière, elle bouge à peine. La partie ombre, elle, elle bouge beaucoup. D'accord D'ailleurs, il ne faut pas trop pousser, hein, parce qu'au bout, hein, bout d'un moment, on voit des délimitations. Hein, donc, il euh, faut faire attention avec ce genre de choses. Mais si je la monte, bon, je l'avais monté à 20 pour l'autre. 20 pour l'autre. Voilà. C'est pas mal. Éventuellement, je vais dire. OK, je vais faire un, pour que ça soit un peu plus. Voilà, que ça soit un peu. Vous voyez Moins. Voilà. Hop. On va se mettre par là. Ok Donc maintenant, allons voir la différence entre les deux photos. Est-ce qu'il y a une différence Donc, ici, c'est la photo où j'ai remonté les ombres dans une zone limitée. Et là, c'est la photo où j'ai remonté les ombres partout. D'accord Alors, regardez bien, par exemple, ça se voit ici. Hein C'est-à-dire, ça, ça se voit bien ici. Vous voyez qu'ici, là, j'ai une partie du visage qui est restée sombre. Tandis qu'ici. Cette partie du visage ici, elle est beaucoup plus claire par là. D'accord Donc j'ai bien limité la portée là où ça m'intéressait. Par contre, si vous regardez le dos ici, alors vous avez l'impression vous avez l'impression qu'ici c'est beaucoup plus foncé parce que cette partie-là est devenue beaucoup plus claire. Mais en fait, c'est exactement pareil. Simplement dans ce cas-là, cette partie-là est devenue beaucoup plus claire, donc cette partie-là vous paraît beaucoup plus foncée. Tandis qu'ici, cette partie-là n'a pas changé, donc forcément, vous voyez moins de différence entre les deux. Et c'est ce qu'on voulait d'ailleurs. On voulait remonter les ombres que dans la partie ombre. Donc en fait, pensez au masque de luminosité, d'accord Plus souvent, ça vous permet de limiter les réglages à vraiment. Une zone de luminosité qui vous intéresse, parce que là je veux pas euh, remonter, euh, je veux pas remonter ici, je veux pas que ça soit, je veux pas que ça soit plus clair là sur le côté. Moi je voulais vraiment juste remonter un peu ici, ce qui était ombré. Euh, on va revenir d'ailleurs, on va faire une, on va faire une copie, euh, créer une copie virtuelle de la chose, créer une copie virtuelle, voilà, et on va revenir à l'original. Donc on va, hop, on va retirer les ombres, voilà. Donc vous voyez que si je regarde par exemple celle-là. Et celle-là, on voit bien là que la partie ici claire est restée au même niveau, d'accord Et c'est vraiment que la partie ombre qui a monté. Donc, pensez un peu à ces, à ces masques de, de, de luminance. Ça vous permet vraiment de limiter la portée des curseurs sur une gamme de lumière bien définie, sans toucher les autres. Maintenant, comme je dis, faites attention, à partir du moment où vous faites ce genre de manip, si vous poussez les curseurs trop loin, d'accord Donc là, si je monte les ombres au maximum, ça fait des choses totalement irréalistes, avec des frontières. Donc ne faut pas, comme, comme tout le temps, hein, les curseurs, on y va, on y va mollo, et puis c'est bien, on va pas, on va pas trop pousser euh, non plus. Voilà, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, 6 minutes 20 de sur, mon petit, euh, sur mon petit chronomètre. Et donc, pensez plus souvent à ces gammes-là. Alors, vous avez vu qu'en termes de précision, quand même, alors on va, on va quand même regarder, euh, vous avez vu que là, on va se remettre sur le masque, on va euh, réafficher l'incrustation pour voir ce qu'on est en train de faire. Vous avez vu qu'on peut... Alors, je vais réduire au maximum ici, puis je vais réduire au maximum. Donc, vous voyez, on peut... La zone du dos, on peut même l'exclure. On peut l'exclure et ne rester que sur cette partie-là des cheveux. Mais là, vous allez me dire, vous avez sélection, personne, les cheveux, ça sera plus rapide. Mais ça vous donne un peu partout là où vous pouvez aller. On va regarder d'ailleurs sur la partie haute, si je fais la même chose sur la partie haute. Donc on va aller reprendre ici la partie haute et on va voir où on peut se limiter. Vous voyez, on peut se limiter vraiment, voilà, par exemple sur les zones qui sont là, qui étaient peut-être un peu trop claires et qu'on pourrait descendre. D'accord Sans descendre tout le reste. Donc, euh, c'est assez intéressant. assez hein, intéressant d'utiliser euh, ce truc-là euh, pour euh, justement essayer de limiter la portée des réglages vraiment à la zone de couleur qui pas la zone de couleur la zone de luminosité qui vous intéresse. Alors la zone de couleur, on peut aussi hein, puisque vous avez de la même manière la euh, gamme de couleurs donc vous pouvez limiter des réglages à une couleur particulière. Voilà, je vous ai déjà montré, c'est pas nouveau, mais euh, comme c'est assez peu utilisé, je vous ai refait un petit épisode sur cette gamme de luminance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.